Et puis ben, nous, on était en saison, quoi, on n'est pas ici. Hein. Ouais. Donc le problème, c'est que alors, on a tout perdu, hein. On n'a plus rien. On est sur la paille. Hein. C'est bon. Là, sincèrement, on ne sait plus quoi faire. Hein. Voilà. On est sinistrés. On n'a plus rien. Tout le matériel est brûlé, les caravanes sont brûlées, les voitures, tout est brûlé, quoi, tout est mort. Voilà. Alors on ne sait pas si c'est un incendie criminel ou alors un incendie qui était fait tout seul. Quoi. Et on suppose que là il y a des gens qui nous en veulent et puis comme il fait quelque part. Voilà, c'est malheureux à dire, mais il ne faut pas se manger sur le matériel. C'est ça qu'il faut avoir, il faut le dire en face, mais pas, pas dégradation de matériel, c'est gratuitement ça. Ça ne sert à rien de faire ça. C'est du gratuit. Oui, je suis propriétaire d'ici, oui. Si vous deviez estimer l'ampleur des dégâts C'est considérable, parce que déjà j'ai une semi-caravane qui est ici, là, à vos 200 000 euros. Elle est partie en fumée. Là-bas, j'ai un hangar, j'ai tout le matériel qui était dedans. Là-bas, j'ai des véhicules qui ont brûlé. Là, ici, une semi-remorque là. Je ne peux pas estimer. Il y a 400 000 euros, peut-être 500 000 euros de matériel en tout qui ont cramé, quoi. Voilà. Et qu'est-ce qu'on ressent dans ces... Ben on est perdu, on ne sait plus quoi faire, hein. Vous savez. On n'a plus rien. On n'a plus rien du tout. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez du travail des pompiers? Ben, ils ont fait du beau travail, sincèrement. Parce qu'ils ont sauvé ma maison d'habitation, déjà. C'est déjà une bonne chose. Et la caravane de ma mère, c'est important, quand même. Voilà, ils ont réussi à sauver ça. C'est bien ce qu'ils ont fait. Ils ont protégé déjà l'habitacle. Et ils n'ont pas pu sauver le restant, quoi. C'est dommage. Mais ils ont fait quand même du beau boulot, les pompiers. Je te remercie les pompiers, sincèrement. Vous avez fait beaucoup, les gars. C'est bien, c'est gentil. Et vous avez une idée de d'où est parti le feu là? Et les pompiers nous parlaient de végétation, de haies. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs incendies. Il y a un incendie de l'autre côté de la route, et un incendie à côté chez mon voisin. Et moi, ça aurait pris à la carte là-bas. Vous voyez? Ça aurait pris ici dans les sapins, ici, là, du bord de la route. Et ça s'est propagé évidemment partout. Hein. Voilà, c'est dommage. Hein. Avec la sécheresse. Ben, peut-être la chasseresse ou... Je peux pas vous expliquer, il y aura une enquête de feu, j'espère. Et ça va être déterminé, quoi. Voilà.